da nova classe. Nous faisons presque tous les sports et nous en avons beaucoup de succès. Les meilleurs au volleyball sont Mila, Lena, Petra, Tieta, Sofia, Daria, Kaya et Leila. Bonjour, je m'appelle Sofia. Alexandra, Nicola et Anna font du foot. Angelia fait de la danse folklorique. Georgia, Nemanja et Bosco font du basketball. Bonjour, je m'appelle Pablo et Magdalena fait de la scrim et Ivan et Sofia font de l'athlétisme. Je fais du waterpolo et Nicolas fait du judo. Salut, je m'appelle Petra. Les joueurs serbes sont parmi les plus nombreux à jouer en NBA comme Predrag Stojaković, Vlade Divac, Marko Jaric, Željko Rebračov et Aleksandar Đorđević. Dejan Bodirog est considéré comme l'un des plus grands joueurs européens de sa génération. Notre joueur préféré en NBA est Nikola Jokic, qui joue dans l'équipe de Denver Nuggets. Dans notre classe, la plupart des élèves ne jouent pas de basket, mais nous tous adorons regarder le match de nos camarades de classe, Luka, Bosco, Đorđe et Nemanja. Bonjour, je m'appelle Katarina. L'anglais et le français sont enseignés dans notre école. Nous apprenons l'anglais dès l'âge de 7 ans et toutes les langues de notre scolarité, et français dès l'âge de 10 ans. Nous avons des cours de langue deux fois par semaine. Bonjour, je m'appelle Leila. En 16e, nous avons passé l'examen d'entrée dans la section bilingue de notre école. Depuis 12 ans, nous avons les cours d'histoire, de géo, de maths et de SVT et de la technologie en français. Nous parlons assez bien le français et nous espérons améliorer nos compétences dans le futur. Bonjour, je m'appelle Mila. Nous sommes très heureux parce que nous allons vous rencontrer. Nous espérons passer de bons moments extraordinaires avec vous. Améliorer notre français, nous espérons aussi que vous allez aimer la pâte et la famille. Notre école est mignonne mais petite. Elle a un grand cours où nous pouvons jouer du basket, du volleyball et du foot. Bonjour, je m'appelle Luc. Dans notre école, il y a beaucoup d'élèves qui jouent au basket. Dans notre classe, il y a 14 élèves qui jouent au basket et ce sont Luca, moi, Nemanja, Jole et Bosco. Dans notre école, il y a un club qui s'appelle Savski Venac, mais je joue au basket dans la dans la cour du EPS. De notre professeur de EPS est Moma Chutis. Bonjour, je m'appelle Georgia. Le professeur de sport pour le fil est Biljana Mandić. À Belgrade, il y a une compétition entre des écoles. Notre école n'a jamais gagné du prix dans une compétition de basket. Bonjour, je m'appelle Magdalena. Notre cuisine n'est pas aussi réputée dans le monde que la cuisine française et elle a quand même ses vertus. La cuisine serbe a été créée sur l'influence de la Grèce, de la Turquie et de la cuisine méditerranéenne. Bonjour, je m'appelle Aza. Tout est représenté dans notre alimentation. Les plats serbes les plus célèbres sont pljeskavica, le burger serbe, gibanica, le gâteau au fromage, sarma, le choux frasé,
ainsi que deux sortes de crème fraîche. Mon plat préféré est pleskavica. Mon plat préféré est sarma. Il faut l'essayer, c'est très savoureux. Bonjour, je m'appelle Eva. J'ai visité le Monténégro, la France, l'Autriche, la Suisse. Le Monténégro est pour moi le plus beau pays car mes proches y vivent. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'ai visité la Croatie, la Belgique, l'Espagne et la France. L'Espagne est mon pays préféré à cause de Barcelone et du football. Bonjour, je m'appelle Bosco. J'ai visité le Mexique, le Brésil, la France, les États-Unis. Mon pays préféré, ce sont les États-Unis. Bonjour, je m'appelle Sophie. Il y a beaucoup en Serbie et les plus importants sont à Belgrade. La forteresse de Belgrade représente la fortification de la ville Tor, de laquelle Belgrade s'est développée. Elle a été construite au début du 1er siècle. Bonjour, je m'appelle Elena. Le monument de Franz Mihailo, situé au centre de Belgrade, a été érigé en 1890. C'est un lieu où le jeune aime se rassembler pour sortir en ville. Bonjour, je m'appelle Giorgia. Le musée de la Yougoslavie se trouve près de notre école et il témoigne de l'histoire de notre pays dans le 20e siècle. Bonjour, je m'appelle Ivan et oui, nous avons fait un voyage scolaire l'année dernière à Gex en France. Nous avons passé une semaine incroyable en apprenant le français et en visitant les monuments de la région Rhône-Alpes. Moi, c'est Angélia. Nous allons faire encore un voyage au mois d'avril. Nous voyageons à Paris et à Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Petra. Nous aimerons visiter la Tour Eiffel, les musées de Louvre, faire